Si c'est pas... C'est bon, le micro est pas trop fort, hein, parce que là j'ai encore reçu plein de messages des gens qui se plaignent. Le son est trop fort, Romain, le son est trop fort. Faisons quelque chose. Bon, petite tasse de café, oui, donc partie 10. Oui, je vous gâte. Voilà, c'est comme ça. Malgré le fait que les fêtes se soient terminées, bon, bah, une partie tous les jours. Et en plus, on alterne, hein, sur la chaîne Twitch Bosseron 14. Un coup, The Evil Within Part 2. Un coup, tous les jours, une petite VOD ou un petit stream, comme vous, si vous le regardez en VOD ou vous le regardez en direct, de l'excellent Judgment, hein, qui, bon, qui n'a rien à voir avec Evil Within, mais qui est tout aussi, enfin, j'allais dire tout aussi excellent. Qui est un bon jeu. Alors, voilà, nous venons de terminer la partie 9, donc là, voilà, je voulais absolument vous montrer ça, hein, j'allais pas le faire hors ligne. On a la mitrailleuse, hein? La mitraillette. La K. Je suis désolé, Esmeralda. Ta mort n'aura pas été vaine. Compte sur moi. Je vais le traquer comme le sale chien qu'il est. Oh, dis donc. J'ai l'impression qu'il a un petit peu de mépris. Mettre le son un tout petit peu, voilà, du jeu un tout petit peu plus fort. Bon. Vous me direz dans les commentaires si vous avez rien entendu. Fusil d'assaut. Alors pardon, alors moi j'étais parti sur la mitrailleuse, la mitraillette, la K, non, c'est le fusil d'assaut, mais la K est un fusil d'assaut peut-être. Dites-moi ça dans les commentaires aussi, ça m'intéresse énormément. Cette arme automatique utilise des munitions de fusil standard, puissantes, mais consomme rapidement les munitions. Ah. J'ai fait une grave erreur aussi, je voulais vous dire, quand dans la partie 9, quand j'ai dit une bêtise, quand on a récupéré notre pistolet. Dans l'inventaire, j'ai dit que ça ne changeait rien, et effectivement, si ça change, nous avons le revolver du premier Evil Within. Je pensais que non. Alors, je vais tout de suite aller dans ma roue de l'inventaire, et on peut changer certainement le pistolet. Voilà, il est ici. Il est un petit peu moins. Alors, c'était marqué quoi? Je vais le prendre. Voilà, il utilise les mêmes balles, hein. Donc, oh, putain, décidément, ça c'est à cause de Judgment. Je me trompe dans l'inventaire. Oui, donc c'est marqué l'arme de prédilection de Sébastien, moins précis mais plus puissant que le pistolet classique. Utilise les mêmes munitions que le pistolet classique. Alors, peut-être que c'est peut-être mieux, là je suis en train de réfléchir, de garder l'autre et d'upgrader après. Parce que je pense pas que les upgrades de celui-ci fonctionnent sur le revolver. Hein. Vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, on s'upgrade. Donc maintenant, on a de la mitrailleuse. Étant donné qu'on n'a plus de balles de snipe, on va se mettre la mitrailleuse. Hein. Hein, vous êtes d'accord? Pour voir déjà à quoi elle ressemble. Ok. Évidemment, on ne peut pas viser avec. Et alors là, notre objectif. Mais putain, je vais me planter à chaque fois. Hein. Ça, c'est à cause de Judgment. Dans Judgment, c'est Start pour aller. Il faut que. Donc, on est au chapitre 13. Forteresse. Vous voyez, en haut à gauche. Hein. Traverser les ruines d'Union pour atteindre l'hôtel du quartier des affaires. Voilà. Nous devons aller traquer Théodore. Hein, ce coquin. Je vais dire. Une méchanceté là, dis donc. On n'était pas loin de dire une méchanceté. Alors du coup, je sais plus du tout où on en est. J'ouvre cette porte. Non. Là, vraisemblablement, non, 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 non. Notre objectif, c'est de reprendre l'ordinateur. Hein. Voilà. Oui. Je me souviens de la trace de sang. On a eu peur que Hoffman soit morte. Il n'en était rien. On était rassurés. On a pu remettre notre slip. Convenablement sur nous-mêmes. Donc oui, je sais où se trouve le. Un petit coup de botte, évidemment. Un petit coup de loupiote. Voilà. Voilà. Et normalement, là, il y a. Quelqu'un m'entend? Ah, on essaye de m'appeler. Sykes? Vous êtes toujours là? Tout va bien? Sébastien, c'est justement vous que je cherchais. Je vais bien, mais j'aurais vraiment besoin d'aide. Vous ne le regretterez pas. Je ferais bien de me rendre dans sa planque. Et voir ce qui se passe.
Ah, tu raccroches même pas. Début de la mission, la dernière étape. Ok, bon, attendez, on loot un peu. On a quoi? Des cartouches de fusil à pompe. Rendez-vous dans la planque de Sax. Sax, je me souviens plus lequel c'est. C'est dire, j'y joue tous les jours. Hein. C'est dire à quel point les personnages brillent par leur épaisseur. Je sais plus, moi, la planque de Sax. Romain, il sait plus. Il sait plus, Romain. Il est perdu. Oui, alors là, je stream pas de nuit pour multiplier par 4 ou 5 le nombre de viewers. J'ai décidé d'être de faire exploser le compteur. C'était pas mon idée à la base, mais c'est ma femme qui m'y pousse. Elle a hâte qu'on s'achète une Ferrari. Chacun ses envies, hein. Non, moi j'ai dit oui. Bah parce que je l'aime. Alors, nous sommes ici, désormais. Voilà, bon, on a bien fait. Alors voilà, il veut que on retourne voir Sykes. Sykes, alors Sykes, je me souviens plus de sa tronche. C'est le Black. C'est notre ami. Quoi? C'est notre ami Black. Est-ce qu'il est utile? Est-ce qu'on a beaucoup? Ouais, on a 12 000. Allez hop. Alors désolé, hein, toujours en début de VOD, hein, on s'upgrade quand même un peu. Hein. Alors je sais que c'est là que je perds plein de monde. Évidemment, les gens veulent de l'action tout de suite. Les gens veulent le dessert. Alors que c'est l'entrée. Quand on commence un repas. Alors là, on va savoir au niveau du flingue. Eh ben non. Les améliorations du flingue sont les mêmes. Ou alors on ne peut pas upgrader. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec la puissance de feu là de ce coquin? Moi je serais d'avis que déjà on finisse d'upgrader ces choses-là. Hein. Capter ces munitions. 140. Temps de chargement. Qu'est-ce qu'on avait dit que absolument on voulait faire? Le snipe, hein, c'est quand même vraiment là. C'est quand même pas mal ça. Hein. Puissance de feu. Hein. Je suis désolé, mais. Allez, hop. Voilà. On n'a plus que un, mais on va fabriquer des balles de snipe. Oh putain, j'en ai fait 31, j'ai rien fait d'autre. Mais le reste, on le trouve. Oh là là, vous énervez pas. Le reste, on le trouve. On le trouve par terre. Les gens abandonnent leurs balles comme ils perdent leur mégot de cigarette. All will be fine. Détendez-vous, inspecteur. Que Voilà. puis-je faire pour vous? Oh bah, si vous saviez. Si vous saviez, Tatania. Si vous saviez tout ce que j'ai en tête. Et ben voilà. Finalement. On a pu. Qu'est-ce que t'as à nous dire d'ailleurs, Tatania, là, aujourd'hui? Je sens que vous vous préparez pour quelque chose qui vous fait peur. Je n'ai peur que d'échouer. Si je ne réussis pas. Alors vous vous serez sacrifié pour une noble cause. Si je me sacrifie, il ne restera plus personne pour mettre un terme à tout ça. Le sacrifice, c'est perdre. Parfois. Et parfois, c'est ce qu'il faut faire pour avancer. Espérons qu'on n'en vienne pas à cette solution. C'est vraiment de la philosophie de. Hein? Hein? Vous avez compris. Hein. Ah, ça vole pas haut, hein, mon Dieu. C'est pas grave, c'est pas pour ça qu'on joue. Alors, la santé, on a vu que c'était. Où on est pas, on est le moins bon? C'est la santé. Hein. Augmente la capacité maximale de la gauche de santé. Et ben voilà. Et voilà. Il nous reste 4000. Bon, 4000, c'est la base. Alors. Parce que tout après coûte cher. Là c'est 6 000, 7 000. Ouais voilà, vous voyez. Vous voyez là on peut pas. Hein. Furtivité. Bon, bah là c'est mort. Voilà, 12 000. Tout est excessif après. Peut-être ici, mais j'en doute. 7 000, allez. Avec nos pauvres petits 4 000, on va rien pouvoir faire, hein, hélas. Hein. Je fais un petit tour dans la santé. Peut-être ici. Vitalité 1. La santé totale issue d'une régénération après une mort imminente est augmentée. Et ben voilà, c'est parfait. Allez hop.
Oh, dis donc. Là, au niveau upgrade, on a été bien. Bon, on a tout mis dans le snipe. C'est un choix. C'est un choix de gameplay. Hein. C'est un build, in fact. Donc, du coup, on remet le sniper. Hein. J'avais oublié. Voilà. En fait... Quoi, il nous dit qu'il y a pas de, que j'ai pas de balles. Il plaisante? Je m'en suis construit 150. Non, on est bien d'accord, j'ai construit 150 balles de sniper. Ah oui, parce qu'on est à l'intérieur, il veut pas recharger. Ok. J'ai eu peur. Je me suis dit, attendez là, c'est quoi cet embrouille là? C'est quoi cet arnaque? On essaierait d'arnaquer Roro. C'est pas très... Ah mais il y a encore plein de choses ici. La cocaïne, des clous. Du pop-up. Bon, très bien. Oui, on sort. Alors, elle est où mon petit icône? Par là, allez hop, on s'en va. On va retourner un peu dans l'open world au final. Il faut qu'on rejoigne le quartier des affaires. Bon, lui, c'est vrai qu'il a eu une fin un petit peu déplorable. J'ai peur que l'épitaphe sur sa tombe ne soit pas mémorable. S'est fait broyer le cul instantanément, ça va être écrit. Putain. Oula. C'est une vraie forteresse. Qu'est-ce qui se passe, Sébastien? Le stem part en vrille. On dirait qu'il perd encore davantage en stabilité. Vous n'avez même pas idée. J'imagine que vous y êtes pour quelque chose. Je ne l'aurais pas fait si je n'y avais pas été contraint. Je vais mettre un terme à tout ça une bonne fois pour toutes. Je vais sauver Lily. Et cette fois, j'ai tout le matériel nécessaire. Bonne chance, Sébastien. Et tenez-moi au courant, d'accord? Je dois savoir ce qui se passe là-dedans pour pouvoir vous aider. C'est important, vous comprenez? Oui. Important de finir ses phrases aussi. Je suis au courant. Merci pour ces... Mais... Nous guiderons. Ah mais il est là lui. Ah, il est devenu foufou. Mais et j'ai bien acheté 30 balles de... Elles sont mes balles. J'ai acheté... En fait je me suis trompé, j'aurais acheté des balles de... De ça, hein, c'est ça. Hein. Je me suis trompé, hein. Ah. J'ai fait 30 balles de... Oui, je me suis planté. Bon. Et lui, on peut le tuer, alors, du coup? À nouveau? Il est pas mort. Je regarde vite fait. Il fait jour, là, un peu plus. Bah oui, vu que tout est en feu. Il nous attaque ou pas? Il est vilain avec nous ou pas? Non, c'est notre pote. Le voilà. Bah quoi? Ah non mais on vient de te péter la tronche. Ces flammes te consumeront. Non mais... Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu crois qu'on veut se battre avec toi? On vient de te péter la tronche. Qu'est-ce que tu nous emmerdes? C'est bon, il s'est barré. Non mais j'hallucine. Ça par exemple, c'est n'importe quoi. Dans la cinématique de juste avant, il était tout content qu'on l'ait tué. On lui avait ouvert les yeux, pour ainsi dire. Et ça y est, il répète un câble et il ne nous reconnaît plus. Ah bah bravo. Ah bah bravo. Bon, on va regarder un petit peu. On va regarder un petit peu ce qui se passe en hauteur. Ah bah il a déjà commencé à faire le ménage là. Ok. Oui parce que là faut qu'on va arriver à la fin du jeu. Hein. Bon, il y a 17 chapitres. Hein. Ils nous font croire. Qu'est-ce qu'on entend? Tu ignores son appel. Ce qui est bien, c'est qu'il me tue les gens. Si bien que j'ai plus qu'à ramasser. Ok. Allez, on descend. En essayant de pas se casser une patte.
comme disait mon grand-père. Paix à son âme. Bon, on loot. Il est où là, lui? J'entends de la flamèche. Oui, oui, bon, tu m'as pas vu. Non, mais tu m'as pas vu. Eh oh, je suis pas un fuyard moi. Si tu veux qu'on se batte, c'est comme tu veux. Je suis mauvais là. Putain, mais j'ai du bol de l'avoir esquivé hein. J'ai vraiment, il faut que je me remette dedans là. Mais dis donc, ils sont bien plus costauds qu'avant. Merde. Mais dis donc, c'est quoi cette histoire? Mon flingue ne serait pas assez upgradé. Je serais d'avis de changer de flingue. On va remettre. Si nous l'ont donné, c'est pour. Il y a bien une bonne raison. Allez. On va garder. On a combien? On a 8 balles. Mais oh, tu nous emmerdes, toi. En plus, pourquoi t'as une voix? On peut pousser la caisse pour pas qu'il nous voit. C'est pas beau ça? Quand on se tient pas debout. Allez, on loot. Et puis on y va. On va pas perdre notre temps à le rebattre hein. J'ai regardé, on a passé une heure pour le tuer. Bravo pour la discrétion. Bon bah au moins on va savoir si ce flingue est plus... Allez, tire-nous dessus. Voilà, c'est exactement ce que je voulais faire. Tu m'as rendu bien un bon service. Allez, on se casse, on va se planquer un coup. Oh putain, lui, il sort d'où? Oh mais c'est la merde ici. Qu'est-ce que tu nous ennuies? Il court comme ça jusqu'à quand? Qui nous donne du gel hein. Putain, il est pas mort. C'est quoi ces coquins là? Il n'y a plus de balles. Ah bah ça c'est... Putain, mais ils sont combien? Putain, mais je vais crever. J'ai crevé en début de partie alors que pour l'instant j'ai joué magnifiquement bien. Merde, mais... Heureusement que j'ai l'option. Et bah dis donc. Il nous guidera. Je vais crever en début de partie. Attends, je me soigne déjà. Où es-tu passé? J'aime bien quand il me donne des indications. Bon, déjà, ce début de partie est pas terrible, hein. Je fais n'importe quoi. Du coup, je sais même plus où je suis. On va se repérer. Je sais que j'ai des trucs à looter. Hein. Ah, mais dis donc. Parce qu'il en a tué tout à l'heure deux. Eh ben, bravo. Non, je veux pas me rebattre contre lui. Bon, il est peut-être un peu moins puissant que dans le que tout à l'heure. Mais même. Non. On veut pas de ça, non. Nous, on veut avancer dans l'histoire. On veut du beau jeu. Putain, mais les balles, elles sont merdiques, hein.
là, le fusil d'assaut, là. Vous avez vu combien j'ai dû en mettre? Pour le faire à peine chanceler. On a encore un opérateur, on a encore un mec de Mobius de quelque part ici. Je vais regarder ça sur la carte. Ah bah il est juste là. On va faire le tour par la droite. Si on peut. Bon. On va essayer de la jouer fine. On a quoi là? Ils sont pas terribles hein, nos trucs hein. Allez, allez, vas-y, vas-y, casse-toi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite boutrolle. Voilà. On est malin. On est malin. Merde. Ah c'est pas mal. Ça c'est pas mal, on a découvert un truc. On a plus de soins, ça c'est pas terrible. On peut les tuer en un coup hein. Donc on se refait un carreau. Ok, et on se fait du pompe. Arbalète. On se fait ça. Fusil sniper, on a besoin. Ok. Alors, changer de carreau. On prend. Merde. Ils sont combien là? Vous me faites chier là. Bon, j'espère que ça leur a fait du mal aussi, à eux aussi. On va le remettre en hauteur ça. Et on va se remettre le... Ça on va le foutre à gauche. J'ai pas de... Oh mon dieu. Ah il a explosé quoi. On n'a pas besoin de les combattre, ils explosent. Qu'on soigne. Qui me voit là? De quoi? De qu'est-ce? Personne qui peut me voir. Bon. Ah voilà, pochette améliorée en nylon. Hein. Vous savez ce que j'en pense. Bon, maintenant on peut passer à 25 pour les fusils de précision. Mais déjà on n'en a jamais eu 25. Hein. Ça, c'est fait. Allez. Il a 23 mètres. Quoi? Encore? Ça n'arrête donc jamais. Bon, on verra ça après. Ça, c'est quoi? Traverser les ruines. Oui, oui. On fait tout petit à petit. Hein. Vous êtes gentils. Déjà, on fait la mission secondaire. Gentil. Déjà si on pouvait se healer, ça serait quand même pas du luxe. Ah bon, on peut.
Voilà. On a mis l'option 1, je crois, pour que... Bon, il est encore là, lui. Non, a priori, il n'y a plus personne. Oula, oula, quoi, deux caisses. Pourquoi ça explose? Il nous guidera. Ouais, bien sûr, il nous guidera. En fait, ça, ça ne tient pas du tout. Ça ne tient pas du tout. Quand on l'a tué, il était complètement conscient qu'il avait fait fausse route. Pourquoi ils l'ont remis? Déjà que ça tenait pas debout dès le départ. L'histoire qui devienne un boss. Par où on va là? Putain. Ouais, c'est ça. Voilà, on fait ça, voilà, très bien. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Il a décidé de nous faire chier, quoi. Il est là pour nous faire chier. Je vous préviens, c'est... Il est là pour nous... Juste nous faire chier. On va se planquer vite fait derrière ça. Si on peut. Accepte ces flammes. Tu n'échapperas pas à tes péchés. On va monter là. Putain. Tu vas brûler. Oh, puis le tu vas brûler. Bon, je veux bien être gentil. Où es-tu passé? Allez, la planque, elle est là, de notre ami. Allez, on y arrive. On va boire un petit café, hein, en arrivant. Hein. Bah dis donc, là, au niveau loot, ils sont on ne peut plus généreux. Bon, maintenant qu'on est là. Allez, on se fait cette mission secondaire, allez... On va pas laisser Syke dans la merde. On a échangé nos sangs, on est frères. Salut Syke. Mais avant... Voilà, bien. Bah... Que se passe-t-il, Sykes? Je suis légèrement occupé, vous savez. Hé, hey, c'est vous qui m'avez dit de vous appeler avant de partir. Vous avez trouvé la sortie de secours? Regardez. Pardon pour le bruit, hein. Félicitations. Il faudra que vous montriez comment l'utiliser pour que je puisse sortir d'ici avec Lily. D'accord. Alors voilà ce que je vous propose. D'abord, vous devez m'aider à quitter ce monde. Vous aider? Je ne sais absolument pas comment fonctionnent ces ordinateurs, Sykes. Non, c'est pas ça le problème. J'ai piraté les serveurs pour accéder à une zone restreinte du STEM. Je dois utiliser l'un des caissons pour sortir d'ici. Mais le problème, c'est qu'il n'y a plus de courant. Et il y a un sacré paquet de créatures aussi. L'effondrement du système affecte le STEM en profondeur. Si vous rétablissez le courant et faites le ménage pour moi, je pourrai enfin me casser d'ici. Encore une fois, qu'est-ce que j'y gagne? Je vous montrerai comment utiliser le caisson avant de partir. C'est bon? Ok. Ça vaut le coup d'essayer. Merci. Appelez-moi quand tout sera prêt. Il y a toujours des explications un petit peu foireuses pour nous expliquer que finalement, c'est pas vraiment encore la fin, qu'il y a ça à faire. Bon. On va en savoir un peu plus sur Sykes. Je dois reconnaître que j'ai été surpris d'avoir de vos nouvelles. On parlait pas. Je me suis fait discret pour résoudre cette histoire d'issue de secours. Mais j'ai jeté un œil de temps à autre. Tout part en vrille. Putain, mais qu'est-ce qui se passe? Un maniaque essaye de prendre le contrôle d'Union. Vous avez eu raison de rester là-dedans. Vous auriez pu finir écorché vif. Ça me tente pas trop. Je passe mon tour. Le pire, c'est que ce cinglé veut mettre la main sur Lily. Si mon plan fonctionne... Vous pourrez la mettre en sécurité dès que vous l'aurez retrouvée. Ok. Bah encore à propos de lui, évidemment.
Vu qu'on discute avec lui. Vous avez remarqué d'ailleurs, quand on discute avec quelqu'un, en général, il y a un lien avec la personne avec qui on parle. Ça, c'est, je me suis fait la référence, je me suis fait la remarque il y a 2 jours. Comment est-ce qu'un type comme vous a pu se retrouver chez Mobius? Un type comme moi? Qu'est-ce que vous entendez par là? Que vous avez une certaine humanité et un minimum de cran. Il semblerait qu'ils aient une préférence pour les opérateurs sans scrupules ou d'une obéissance inconditionnelle. Vous n'êtes ni l'un ni l'autre. Vous pensiez que je vous prenais pour qui? Non, rien. Oublions ça. Vous savez, c'est moi qui ai fait la démarche pour les rejoindre. C'était pas facile d'ailleurs. Ils savent couvrir leurs traces. Mais pourquoi vous avez fait ça? C'est juste l'organisation la plus puissante du monde. C'est tentant, non? Et vous ne considérez pas que leurs actes sont criminels? Eh, c'est un crime que si on force les gens. Vous connaissez l'adage? Quis custodiat ipsos custodes. Oui, genre toi tu parles latin, oui. Tous les jours je croise des mecs comme toi qui parlent latin. Je vous crois sur parole. Ah, la propagande. Propaganda. Oui, on s'était dit qu'on se prendrait un petit café. Bon, alors du coup, c'est vrai qu'on peut ouvrir les caisses. Ce qui est fort utile. On n'a jamais trouvé la pièce, hein, d'ailleurs, pour upgrader notre... Parce que nous aussi, on a un lance-flamme. Putain, mais ça m'en fait, hein, des pièces détachées, hein, mine de rien. Ok. Donc, tu veux que je fasse quoi? Parce que j'ai rien compris. La dernière étape. Accéder au département expérimental de la moelle, éliminer les ennemis et remettre le courant. Ok, mais ça se... Il faut que j'aille où pour faire cette mission? Changer de zone. Bah, je vais prendre ça. À mon avis, il me téléporte direct, non? Bon. Mettons-nous au travail avant que je change d'avis. Oui, voilà, ça doit être ça. C'est une mission de bagarre. Ah, bon, je vous l'ai déjà dit, mais c'est beaucoup la bagarre dans ce jeu. Hein. C'est bien ça, hein, on doit aller au département expérimental. Hein. Ouais, la moelle. Ok. Oui, c'est bien ça, les choses repop. Oui, voilà, département expérimental, ok. Bon, des petits clous. Un petit peu de cocaïne. Ah, une seringue, ça c'est pas du luxe. Ça fait zizir. On va se remettre du shootgun. Hein. Même si ça coûte beaucoup plus cher ici. Des balles de fusil, oui, parce que on en a plus. Hein. On a plus. On a combien de poudre? Putain, on a que 10. Ce qui est bien avec le carreau immobilisant, c'est que bah, ça les fait exploser d'un coup, quoi. Pour les gros, c'est bien. Non, on va prendre du sniper. Je suis désolé, hein. Mais moi. Mais je suis pas fou, j'ai encore pris sniper et c'est pas le bon. Attendez. Ça fait 15 fois que je me fais baiser là. Ah, c'est des balles de fusil d'assaut parce que tout s'est décalé. Ça avant il était ici, elles se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Putain, mais c'est pas possible. Pardon, mais. Donc là, on... Ah là là, j'ai des balles de fusil d'assaut. Bon bah, c'est très bien, mais bon, je m'en fous. Moi, je voulais du sniper. Donc du coup, on n'a pas de shotgun. Ah là 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 là. En plus, celui-là, il est même pas plus performant.
Non, on se remet le flingue normal. Parce qu'on l'a upgradé. Donc normalement, on est sur une... Voilà, et puis bah oui, bon, c'est pas terrible. Et dis donc, ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué, on a que dalle. Hein. On a 4 balles. Shotgun, on a rien. Bon, allez. Soyons pas défaitistes. Faut qu'on rétablisse le courant. Donc on n'est jamais venu ici. Hein. Ça a l'air abandonné. Rien de rassurant. Je dois simplement m'occuper de ce qui grouille là-dedans et remettre le courant. Voilà, bon bah c'est bien, il nous débriefe. Bon, a priori on peut passer par là. J'ai bien envie d'aller voir ce que c'est. Là il y en a un qui becte. On va pas du tout repérer avec ma lampe torche, c'est parfait. Allez lui on se le fait tout de suite. Voilà. Lui normalement on s'en débarrasse comme ça. Putain mais il en faut combien pour les tuer? Allez. On a perdu des balles pour que dalle. On aurait pu le tuer du premier coup avec la hache. Mais bon, c'est pas grave. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Ok, donc là, on va pouvoir passer de l'autre côté, j'espère. Ok. Attendez, hein, parce que je veux pas louper quoi que ce soit de caisse. Donc... Ok. Tout se ressemble. Hein. C'est fou. Alors c'est moi qui suis trop près. À lui. Oui, on l'a pas ramassé son truc. Il essayait d'ouvrir la porte, mais a priori. On pouvait pas. En fait, j'ai l'impression. J'essaye toujours de trouver un petit chemin détourné pour avoir des upgrades. Et en fait. Enfin. Mais en fait, ça se trouve, c'était le chemin à prendre. Et il faut que je retourne en arrière. Ah non, mais c'est fermé. Bon, c'est très bien. Je préfère que ce soit fermé. Hein. Comme ça, j'ai pas l'impression de me tromper de chemin. Vous connaissez ce truc, hein. Souvent, on sait que c'est le chemin principal. Et puis, on se dit, tiens, je vais aller par là. Je vais découvrir une arme cachée. Et puis, il s'avère qu'en fait, c'était le bon chemin. Et c'était l'autre qu'il fallait prendre pour découvrir l'arme cachée. Enfin, vous m'avez compris, quoi. Oui, donc ça s'ouvrira quand il y aura l'électricité. Bon, c'est bien, on aura fait un peu le ménage. Bon, il ne reste que 20 balles. Hein. Puis on l'a pas upgradé. Enfin bref, on est dans la... On est dans... Ok, donc là, on est bloqué. Oui, évidemment, on peut pas se propulser. Hein. Oui. Bon, je suis pas fou. Je vous cache pas que j'ai commencé le live alors que j'ai envie de faire pipi. C'est pas bien malin de ma part. Je sens que ça va être... J'ai très envie de faire pipi. Est-ce que dehors de l'embrassement de l'arrivée, il y avait des ennemis, remettez le courant. Ouais. Curieux qu'il n'y ait rien. C'est fou d'ailleurs comment il marche moins vite. Il galope moins vite que quand je suis à genoux. Enfin accroupi. Moi je veux bien, mais où on remet le courant? Ça serait là? Il y a une machine là. Et puis il sert à rien. Ah voilà! Donc. Alors j'ai toujours un bol fou. Bon, vous allez voir. Bon, ça veut pas. La dernière fois c'était fantastique hein, quand je l'avais dit.
pas du tout envie de regarder comment on fait. Voilà. Ouais. À réfléchir, ça prend plus de temps. Assurez-vous qu'il n'y ait plus d'ennemis et appelez Sykes depuis la salle des caissons. Oh bah tiens, il n'y a plus d'ennemis. Tu vas voir, il n'y a plus d'ennemis. Bon, il va pas se retourner au dernier moment. Voilà. On va faire rondement mener. Et viens là toi. Attends. Ah bah voilà. Ils sont gratuits quand il y a plus de... Mais merde, mais j'ai encore de la boutrole normalement. Qu'est-ce que j'ai plus d'armes. Qu'est-ce que je peux utiliser. J'ai plus de flingue. Hein. Si j'ai encore du flingue. Oh bah joli. Merci, hein, j'ai plus beaucoup de balles. La musique devrait se calmer. Voilà, merci. On va aller looter leur slime. Bah oui, le truc de la hache, c'est vraiment très 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 pratique. Hein, ça se tue en un coup et en général il lâche. Donc là, bah, c'est bon, on retourne voir. Assurez-vous qu'il n'y ait plus d'ennemis et appelez Sykes depuis la salle de caisson. Ok. Alors, je sais pas si on y va par là. Oui, maintenant, on a rétabli le courant, donc c'est ouvert. Oui, c'est ici, donc. Oh, moi, j'ouvre tout à coup de botte. C'est bon. Hein. Je ferais bien d'appeler Sykes. Ouais. Un petit coup de bigophone. Ah bah, s'il me répond pas. C'était bien la peine. Ah bah, il est sur Pornhub. Ah bah, bravo. Merci. Je serais pas parvenu sans vous. Ah bah, je vois vous ça. Êtes sûr que ça va marcher. Il faut rien. Non, mais j'ai pas super envie de rester ici. Tout est bon à prendre à ce stade. Ok, tout est en place. Quand vous ramènerez Lily, vous trouverez un minuteur ici. Tournez-le d'un quart de tour, puis appuyez sur ce bouton. Oula. Ça vous laisse 60 secondes pour monter dans le caisson. Vous devriez pouvoir y tenir tous les deux. Sykes, j'ai comme un mauvais pressentiment. Écoutez, je sais ce que je fais, ok? Vous devriez peut-être remettre ça à plus tard. Aidez-moi à trouver Lily. Et nous trouverons une autre issue. Je suis désolé pour vous. Vraiment. Mais le mieux que je puisse faire pour vous aider, c'est de faire fonctionner ce caisson. Ok. Oui, en gros, tu tournes les pouces. Classique. Souhaitez-moi bonne chance. Oui, on n'abuse pas. Donc on va repartir dans la baignoire, là. Ok. Moi, je vais arrêter de me poser des questions avec ce jeu. Faites de même. C'est un conseil que je vous donne. Tout sera beaucoup plus simple après. Merci. Je vous ai laissé quelque chose en guise de remerciement. J'en aurai plus besoin là où je vais. Ah. On se retrouve de l'autre côté. À l'américaine. Eh ben, il était gazé. Allez, hop. Qu'est-ce qu'il m'a laissé en guise de remerciement? Il n'est plus là. Je me demande si ça a marché. Allez. Sayonara Sykes. Allez, c'est pour une fois, je vous dis ce que c'était le nom du... Le nom... Ah, ben une petite diapositive. Il nous a laissé... Pour nous remercier, il nous a laissé une petite diapositive de ses vacances.
où il nous montre son cul. Ah, sacré Sykes. Ok, et un petit peu de cocaïne. Bon, les missions secondaires, c'est toujours agréable d'un point de vue looting. On loot, on loot. Oh, bah oui. Moi qui suis friand de shotgun, alors si vous me donnez un pistolet de pirate. Fusil à double canon, deux fois plus de canon, deux fois plus de chevrotine et deux fois plus de dégâts. Léger et résistant, il doit être rechargé plus souvent. Les améliorations des capacités de chargeur du fusil à pompe ne s'appliquent pas à cette arme. Ouais, et ben écoute, j'ai quand même envie de prendre. Et quand même envie de le prendre. Allez, on le prend. Et puis on le met dans la roue de... On le met dans la roue de la fortune. C'est pas le bon, hein. Si, c'est celui-là. Hein. Oui, c'est le bon. Ah oui, ça, c'est très bien, ça. Bon, il y aura un petit peu de lecture, évidemment, pour nous faire chier. Bon, j'ai plus de balles, hein. On a tout utilisé, donc on va remettre le snipe là-haut. De toute façon, on va pouvoir se fabriquer des trucs. Bon, la lecture, hein, je suis désolé, hein, le lore qui vous intéresse, qui vous passionne. Hein. Moi, j'ai vu dans les commentaires sur YouTube, vous êtes dans des discussions pour savoir le STEM, Mobus, qui organisait tout ça. Bon, je vous laisse discuter entre vous. Hein. Notre tentative d'utiliser un caisson du STEM comme issue de secours est officiellement un échec. Malgré un taux de réussite de 25%, il a été décidé d'interrompre les recherches. Un sujet sur quatre est parvenu à quitter le système. Les trois autres ont tout simplement cessé d'exister. Nous pensons que les 75% restants sont perdus dans un niveau non répertorié du STEM. Un rêve dans un rêve dont il est impossible de revenir. En raison d'un trop grand nombre d'inconnus, l'expérience a été abandonnée. 25% de chances de réussite. C'est trop peu pour que je risque la vie de Lily. J'espère que Sykes a rejoint le monde réel. Il a une chance sur 4 après tout. On a peut-être dû lire le truc avant de se lancer dans la baignoire, Sykes. Ouais, donc du coup, c'est là qu'on se rend compte qu'on a fait une mission secondaire qui ne servira pas à la fin du jeu. Voilà. Pas grave. Pas grave. Et alors, quand on veut upgrader, par exemple... Voilà, là j'allais encore faire l'erreur de faire des balles de fusil d'assaut. Je n'en ai rien à branler du fusil d'assaut. Faut bien que tout le monde le sache. Carreau explosif. Non mais de toute façon tout est trop cher ici. Donc on... J'ai toujours un mal fou à me... à m'orienter. Hein. Donc là on rentre à la maison. Bah, c'est tout droit. Hein. Oui, donc c'est une mission secondaire qui te dit à la fin, bah non, on le fera pas parce qu'il y a 25% de chance. Donc Lily, une chance sur 4, non, c'est pas bon. Moi, c'était vraiment de la mission secondaire. Ce qui aurait été intriguant d'ailleurs, ce qui aurait été génial. Imaginons, on fait la mission secondaire ou non, ça change la façon de s'évader du STEM. Ça aurait été intelligent, mais bon, pour ça, évidemment, cette prise de risque, il faut. Hein, faut avoir un peu de talent, mais bon. Allez, j'ai rien dit. Non, j'ai pas dit du mal du jeu. Me faites pas de mauvais procès d'intention, j'ai pas dit ça. Réécoutez, revenez en arrière, faites un clip sur Teach. Vous verrez, c'est pas exactement ce que j'ai dit. Ça ressemble, mais c'est pas exactement ça. On va se refaire des balles. Hein. Where is the mirror? Où est le miroir? Normalement, il y a un miroir ici. Hein. C'est même pas sûr. Oui, il y a un miroir ici. J'arrête pas de looter. Hein. Voilà. Non, on va se... En plus, on a ramassé énormément de gel. Et puis, encore une fois, il me faut du pompe.
Il me faut du truc. Amélioration d'armes. Voilà, on peut pas améliorer les nouvelles armes, quoi. J'ai combien? Je n'ai que 840. Et en puissance de feu, tiens, ça c'est intéressant. Il veut que 200? Et en critique, voilà. Et ben on prend ça. Oui, oui, ça m'intéresse. Et ben voilà. Voilà, là on a un vrai flingue. On s'en fout du flingue de... On peut pas l'upgrader, on peut pas modifier les choses. On s'en fout. Non, on utilise le pistolet normal. J'ai combien? J'en ai 38. Enfin, en fait, non, j'en ai pas 38, j'en ai 0. On prend des balles de précision, on va en faire 2. Et des balles de pistolet, on peut en faire combien? Putain, on peut en faire que 2. Non, on va pas utiliser de la poudre pour ça, hein. On va prendre un carreau explosif. Voilà. Carreau électrique, bon. On peut refaire. Comment ça se fait qu'on peut se faire que 2 balles? Et alors qu'on peut refaire un carreau explosif? Ah oui, parce que ça compte pareil. Vaut mieux faire des trucs explosifs. Mon dieu. Fusil d'assaut, va te faire foutre. C'est une balle pour. Voilà, ouais, ok. Bon, carreau harponneur, on peut en faire 2. Allez. Bon, si c'est pour faire une balle de carreau harponneur, non. On s'en fout. On a combien là de gel? On a 7950. Allez, on attend encore un peu. Les trucs bien vont être à 12 000. Ah merde, j'ai une diapo. Pardon. Tant pour moi. Hein. Oui, ça va sur le chat. Je m'en suis souvenu. Hein. En fait, il miaule quand il sait que je peux regarder quelque chose. Il pose si... En fait, ce greffier n'est pas si méchant que ça. Hein. On a encore loupé une diapo. Hein. Elle devait être ici. Hein. Bon. On va en savoir un peu plus sur les caissons, les baignoires du STEM. Vous êtes là, Kidman? Pour vous? Toujours. Le STEM. Okay. Ça fait 2 fois que ça échoue. Une machine qui vous envoie dans la tête des autres. Qui a décidé qu'on avait besoin d'un truc pareil? Je veux pas savoir ce qui se passe dans la tête des autres. Une fois m'a suffi. Ruvik l'avait développé pour ses propres raisons déviantes. Mais Mobius a vu un potentiel dans cette technologie. Le potentiel d'asservir tout le monde, vous voulez dire? Toujours mieux que de le laisser aux mains d'un psychopathe. J'en sais rien. Me dites pas que vous adhérez à cette idée d'humanité unifiée. Qui sait ce que Ruvik aurait fait si vous ne l'aviez pas arrêté? Ruvik ou Mobius, dans tous les cas, personne ne devrait posséder cette technologie. Elle est trop puissante. Et on sait ce que ça peut donner. Oui. Je suis bien de ton avis. Je suis bien de ton avis. Le transhumanisme, les puces, tout ça, c'est de la... C'est pas bien. Bon, on a 8000 maintenant. Bon. On va attendre 12000. On va attendre 12000. Hop, on s'est re-téléporté ici. On va sortir. Il court vraiment pas vite. Hein. Je suis assez surpris. Au niveau vie, on est full. Et là, on retourne sur la mission principale. Donc ça sera une petite VOD qui aura été... je vais l'intituler Loot et Psych. Hein, c'est ça, parce que maintenant voilà, on doit traverser les ruines d'Union pour atteindre l'hôtel du quartier des affaires qui se trouve ici. Et sur le chemin, évidemment, on prendra, on lootera le cadavre, hein, on dépouillera ce pauvre agent de Mobius. Bon, petite vidéo parce que pour une raison toute simple, j'ai envie de faire pipi. Et puis bon, je vais revenir un petit peu plus tard, vers 1h ou 2h du matin. Soyez au rendez-vous. Là, oui, bon, je vois que ça se plaint beaucoup sur le chat. Mais bon, on n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Hein. Déjà, je vous gâte. Déjà, vous êtes trop gâtés. Et vous le savez. Vous le savez parce que parfois, je reçois des messages, vous me le chuchotez et vous me dites, Romain, quand même, tu nous gâtes. Allez, à tout à l'heure. Bande de coquins.